là. Salut les petits poulets. Waouh. Là. Point relais Lambert, bonjour. Et ça c'est pas censé aller dans la cheminée ça. Assieds-toi, prends une mousse. La vidéo du dimanche. Bah on déballe ça mais c'est maintenant. Go. Bon, alors, à nous deux. Ou à nous six, plutôt. Là. Il se trouve que dans une dernière vidéo du dimanche, vous avez vu qu'on était en train de galérer avec nos barnums. Les barnums, c'est terminé. On en a pris trois et on en a fait deux avec, dont un qui sert de pièce maintenant, puisqu'il ne servait plus et est parti hors cyclage. Et il se trouve que ça, c'est lourd. Il se trouve que j'ai vu dans les commentaires du YouTube qu'il y a un site qui s'appelle Maxi Scout qui nous a dit « file-nous ton adresse ». Je suppose que c'était pour envoyer des cartons. Des ballons. Ah. En général, quand je fais ça, on perd des morceaux. Mais pas là. Peut-être pas. Donc ça, si l'envers a bien tout compris, c'est un tas de tubes métalliques de type carré. Ça y ressemble, hein. Ça ressemble à ça. Et avant que je fasse des conneries, comment c'est faire ? Enfin, peut-être que je mette... Ah, c'est celle-là. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la bâche qui va dessus, là. Enfin, faut la déplier, quoi. Il est où le cul-cul ? Elle est où la tête ? Ça, c'est un coin. Putain, il va dans un coin. Pas con, Lambert. Vous, ici ? J'ai pas lu la notice, mais je pense que sur la notice, il y a écrit qu'il faut être à deux petits bonhommes pour faire ça. Où es-tu ? Là. Là. Dépliage du bazar. Waouh! Vu que j'ai rien prévu pour la fixer dans le sol, à moins que ce soit dans un des cartons, vu que j'ai rien prévu pour ça, pourcentage de chance pour qu'elle s'envole pendant que je fais cette vidéo, 99%. Ensuite, rehausse les pieds, Lambert. Là! Parce que là, au moins, on peut passer en dessous maintenant. Ensuite, toi, ça doit être les cloisons, si je dis pas de conneries, pour fermer les côtés. Waouh! Bon, oui, c'est ça. Ensuite, alors ça c'est la dernière qui vient là. Ah tiens, c'est con, je viens de la déplier. Ils ont pas la... Là, tu viens fermer l'ensemble et ils ont pas la petite porte. Il y a pas de petite porte au milieu. Bon par contre c'est sur des zips, genre comme ça. Ah ouais, remarque. Oui si ça se tient en fait. Tu défais le zip et tu rentres par là. Ou par un autre côté. Bon. Ensuite... Là, toi. Oh ça je parie que c'est une chaise. Là, là. Ça, ça doit être des chaises aussi. Hein. Ah oui, c'est encore une chaise. Ah, c'est encore une chaise, mais c'est pas le même modèle. Chaise à chouchou. Non, tu ne manges pas ce papier. Là. Oh, chaise... Ah bah oui, je suis con, c'est écrit sur le carton. Je veux dire, on aurait dit une chaise de cinéma. Et oui, ça y ressemble beaucoup. Ça, on a dit, c'est vide. Ça, c'est bon. Ça, il faut garder, Lambert. Ça, il faut garder aussi. Pois gros, suffit. Il est sharp. Stop. Je ne mange pas tout. Et ça alors, c'est quoi ? C'est une table pour mettre avec les chaises ? C'est... Ah, c'est un tapis ! Gros bâton et chouchou ! Ah, c'est un tapis ! Ah ouais, c'est les tapis... C'est les tapis que les gars ils mettent sous les motos quand ils font du tuning. Les runs. Tu ne manges pas ce tapis ? Ah ouais, c'est ça. Non, ça se mange pas. Ce n'est pas un énorme saucisson ! Waouh ! Ah, c'est peut-être dans l'autre sens. Là ! C'est bien mieux comme ça. On se croit au râceau ? Viens, on fait le râceau. Genre, là. Waouh ! On s'y croirait presque, hein. Ouais, il y a bien des répétitions pour le 14 juillet, alors je vois pas pourquoi. Nous, on pourrait pas faire des répétitions de rasso. Tac. Bonjour. Ça va, grand Gérard ? Ouais, parce que le Gérard normal, on le sauvegarde. Faut même que j'évite de le trimballer maintenant tout court. Du coup, c'est son remplaçant. En quelque sorte. Et il boit deux fois plus. Santé, mon chef. Oh ! Détail important, quand même. Chut. Donc, la prochaine fois qu'on se verra, il y a de grandes chances que ça ressemble à ça, avec un barnum en plus là et un autre là. Gros Gérard, là, looping, là, Pépito. Et là,
un peu vous et tout le monde, ou la buvette en face. Le prochain truc où on se déplace, c'est la Mosquitos Drag Race, 15-16 juin, aérodrome de Saulieu-Liernay. Il est encore temps de t'inscrire si tu veux concourir, si on peut dire ça comme ça, et en spectateur, tu peux venir aussi, bien sûr, et on sera là. Waouh! En tout cas, un gros merci à toute l'équipe de Maxi Scout, parce que de base, on n'avait rien demandé. Et ça, c'est encore plus cool. Et tant qu'on parle de Maxi Scout, ils font les runs à Salbris, dernier week-end de juin. Alors, ceux-là, normalement, je pourrais pas y être, parce que 15-16 juin, on est au run à Dijon. Après, on part le week-end d'après, ça doit tomber 22-23, le scooter rallye en Belgique, et juste après, les runs à Salbris. Ça va peut-être faire beaucoup pour Lambert dans le même mois. Par contre, ils ont une autre date en octobre qu'on a notée. Je crois que c'est mi-octobre, un truc comme ça. C'est noté dans l'agenda du Lambert et on vous le redira. En tout cas, certainement rendez-vous là-bas et merci à eux. Là. Bon, ça, c'est plié, c'est rangé. Lambert a même eu le temps de faire du parc et jardin. On peut se remettre à la mécanique. Et pour changer, on a trouvé un petit chantier à faire qui n'était pas prévu. Petit chantier, alors attends, bouge pas. Ah, elle est où la tirette? Oh putain. Merde! La feuille d'inscription des runs. Bon, referme ça, Lambert. Putain, j'ai oublié ça. Je t'explique ça après. Allez hop, Lambert, il est bon à faire un petit tour à la poste. Il est quelle heure? Oh, il est 11h30. Il est 11h30, on est samedi matin. Et Lambert vient de s'apercevoir qu'il a oublié de poster la feuille d'inscription des runs. Lambert est un mec vachement ordonné, ça paraît pas comme ça. Je t'ai parlé de ça dans la dernière vidéo du dimanche. C'était il y a 2 semaines. Voilà. Allez, go. C'est parti. Objet flottant non identifié à l'arrière du véhicule. La 106, je t'en parle juste après, on pense avoir un léger problème de transmission, si on peut dire ça comme ça. Mais dans le doute, on roule encore avec. Et là... Oh, pardon madame. Et là, bien évidemment, aujourd'hui, elle va pas le faire. Ça fait un gros bruit. Enfin, on pense un gros bruit. Mais si ça peut te rassurer, et moi aussi, ça me rassure, pas de pouvoir mettre en cause mon brushing. Non. Non. On soupçonne certainement, faut que je la lève tout à l'heure, on soupçonne soit un roulement de boîte, soit un roulement de roue, ça fait un de ces bordels. Et aujourd'hui, vu que c'est humide, bah, ça le fait pas. Si, ça le fait quand même un petit peu, mais tu l'entendras pas à la caméra, ça fait pas autant de bruit que d'habitude. Quand je tourne à droite, ça fait quick, 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 et ça correspond au bruit, enfin, ça correspond à la vitesse des tours de roue. Donc, c'est un rapport avec ça, ça a aucun rapport avec le. T'entends là? Non. Ça correspond au tour de roue et non au tour moteur, donc il y a un truc avec la roue avant gauche que je ne sais pas. Alors non, c'est pas que j'ai des pneus de merde, c'est que j'ai racheté les anciens pneus de Philippe Candelro. Là du coup ça patine. Allez, on va poster ça. Tiens, la mets du son mon copain, tu vas peut-être l'entendre. Allez, il bosse. Évidemment quand je vais le filmer ça le fera pas. Ça va cric. Ça va pas s'entendre. On fait comme si j'avais rien dit. Peut-être à ralentir. Il y a un point mort. C'est beau hein. Tant que j'y pense, tu peux aller faire un tour sur la page Mosquitos Drag Race. Il est encore temps de s'inscrire jusqu'à mi-mai, si je ne dis pas de bêtises. Il est encore temps de t'inscrire pour venir faire la course avec nous. Et pour tous ceux que j'ai vu demander dans les commentaires, si je dis pas de conneries, c'est 10€ l'entrée sur place en tant que visiteur, 15€ le week-end, et y a pas besoin de réservation, tout est sur place, on peut camper, on peut tout. A tout de suite. C'est fait. Rendez-vous là-bas. Aérodrome de Saulieu-Liernay. 14 et 15 juin, je crois, un truc comme ça. Allez faire un tour sur la page Mosquito Drag Race. De toute façon, je vous fais des posts au fur et à mesure sur la page du Lambert. Qu'est-ce qu'il veut, Lambert? Du pain, un gâteau pour maman, et on rentre au château. C'est reparti. Je tiens à m'excuser auprès des gens qui verront peut-être cette vidéo et qui ont perdu ce colis par terre. Alors c'est pas parce qu'il pleut qu'il faut courir et jeter des... Enfin, des trucs dans ton cabas quand tu vas au marché du bourg. Là, il y a bon fromage de chèvre et c'est ce que j'achète d'habitude. Bon, c'est un peu mouillé, mais je vais m'en occuper, t'en fais pas. Allez, on rentre au château. Chut, doucement, les filles. Tac, tac. Je vais chercher une planche à découper. Heureusement que Lambert avait acheté du pain frais et on va s'occuper de ça. Là. Et là, la petite planche, c'est Monsieur Nico qui nous a offert ça. Et si tu te demandes qui c'est Monsieur Nico... Ça s'appelle l'usine à Nico, l'usine à jouer de Nico sur Instagram. C'est Monsieur de l'Aftral qui fait le typage pour la boiserie. Alors, à nous. Là. Toi. Ça a pris l'eau, mais pas tant que ça. Hein. Maman me croyait pas quand elle a vu la story Instagram.
que vous avez peut-être vu où je ramasse ça au bord de la route. Mais je l'ai pas encore déballé, et il y a de grandes chances que j'ai beau adorer le fromager du bourg chez qui je prends mes chèvres d'habitude, ça vient de chez lui ça, peut-être que c'est pas ce qu'on aime. On va faire un jeu devinette. Et avant le jeu devinette, ouais bah c'est le week-end, on quitte à se déplacer au bourg, on fait le plein. Et comme chaque week-end où je filme ma vidéo du dimanche, je passe à la boulangerie du bourg me chercher un petit jambon emmental, ma petite baguette bien fraîche. Et tu vois pas que pour la seule fois, enfin une des rares fois où je ne passe pas au marché prendre du fromage, parce que j'en ai encore dans le frigo tout simplement, on en trouve un plein paquet. Oh. Encore une fois, si c'est toi qui as perdu ce colis, je m'excuse. Mais t'en fais pas, nous on en fera bon usage. Ah oui. Bon, est-ce que Lambert est bon en fromage? Tâtons. On va y aller à tâtons. Là, je sais qu'il y a une bûche. Demi-sec. Attends, faut que je fasse de la place, là. Tac, tac. Oui, ça, c'est une bûche demi-sec. Tu vas voir qu'avec un peu de bol, on est tombé sur des gens qui mangent la même chose que nous. Ou pas. Oh, oui. Ça, c'est une bûche demi-sèche, ça. Oh, c'est beau. Et là, devinette stage 2. Putain, c'est ce qu'on mange. Ah, ou alors peut-être que c'est un ail et poivre, et dans ce cas-là, j'aime pas ça. C'est pas des... Ah, si, c'est demi-sec. Me dis même pas qu'on se retrouve avec les fromages qu'on aime. De toute façon, c'est ceux qui vendent le plus le fromager du bourg, et c'est les meilleurs. En tout cas, celui qui a perdu ce petit pochon, c'est un homme ou une femme qui a du goût. Toi. Donc bah vous deux, ce sera pour ce soir, et toi, il y a de grandes chances que ça disparaisse aujourd'hui. Genre le temps de filmer cette vidéo. Parce que si tu mets ça et ça... Oula ! Calme Lambert. Un test comme ça, du genre... J'avais un doute, mais je te confirme ce doute. Quand tu te mords pas la langue, comme je viens de faire. Attends, faut que je reprenne un bout. Ah si. Si. J'avais un doute, mais quand tu le payes pas, il est encore meilleur. Désolé, j'ai la bouche pleine. J'espère vraiment que c'était pas pour un repas de famille. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'il va finir. Ça, faut pas me foutre ça sous le nez. Oh, l'épaisseur du bordel. Vous m'excuserez pour les puristes. Ouais, il manque un canon de rouge, certainement, parce que tout le monde mange du fromage avec du rouge. Lambert est pas rouge. Moi, je préfère un bon blanc moelleux par là-dessus. Désolé pour les puristes. Mais Lambert a un gros problème avec ça. C'est que ça, là, tu me mets ça là, pendant que je filme une vidéo. Même si je suis pas en train de filmer une vidéo, là, tu mets un canon de blanc, ça, et ça. Avant la fin de la vidéo, il y en a plus. C'est une sorte de toc que Lambert a. Là, tu me mets tout ça sur l'étalage. Le chèvre, le canon de blanc, le pain bien frais, ça disparaît aussi vite qu'une douille de 10 quand tu sors ta mallette toute neuve où il y a toutes les douilles dedans. Donc, redonne-en un petit bout avant et après on continue. Bon, ensuite, si on reparlait un petit peu mécanique quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là de base. Lui, c'est encore en train d'avancer. On finit de décaper tous les petits coins, casse-couilles et tout ça, et après on le retourne et on se remet au travail. T'avances pas vite parce qu'on trouve plein d'autres trucs à faire entre temps. Le C15, celle-là, je t'en parle juste après, et celle-là que c'était pas prévu. Alors celle-là, on a à peu près identifié le problème parce qu'en fait, il s'entend de l'extérieur. Il y a des gens qui m'ont arrêté pour me dire ça ce matin pour dire que la caisse faisait un bruit bizarre. Donc on pense avoir localisé le problème par là. Et pour le prix des pièces, on va pas s'emmerder. Et je commande directement, là, dès que je raccroche cette vidéo, on commande un roulement de roue et un roulement de sortie de boîte. Et ouais, il manque des cheveux là, mais c'est parce que là, il commence à faire chaud et j'en ai enlevé, mais t'en fais pas, tout le reste, il est toujours là. On n'a rien cassé. Roulement de roue, roulement de sortie de boîte, et on change. Parce que ça vient certainement de par là le problème. Mais là, maintenant que j'ai plus trop de cheveux sur les côtés, j'ai froid, je remets ma capuche. Elle est encore sur cale. Alors pour ceux qui nous suivent, si tu en fais partie, qui nous suivent sur le Facebook et le Instagram du Lambert, on a attaqué des chantiers, mais on a eu plein de trucs à faire cette semaine. Donc on disait vidéo du dimanche une fois toutes les deux semaines. La semaine dernière, il y a eu jeudi mécanique, voilà pourquoi elle est sur cale. Et cette semaine, il n'y en a pas eu, parce que lundi, Lambert a fait du topel. Mardi soir, après le boulot, d'ailleurs, il y a une vidéo pour ça qui arrive. Je peux peut-être te mettre un petit extrait. Là, au lieu de faire la star, toi. Mais on va voir Monsieur Vintage Mécanique et... Et je lui dis, j'ai plus d'abonnés que toi, fais une photo avec moi. Et tu voulais pas voir ça? Ça a l'air joli. Ah oui, si, c'est vrai. Deux. Ah oui, avec les phares de devant, oui. Ouais. Surtout avec les phares de devant. Mais avec Hardtop. Hardtop. Je veux une Cobra Daytona maintenant. Waouh. Bah, genre un extrait comme ça. Allez. Rien d'autre à dire. Pour une fois que le tour auto passe dans le bourg, genre ils sont passés pas loin de la maison, je me sentais obligé d'aller... les voir là-bas sur place et de voir de la belle caisse et de parler avec du beau monde. Vous avez une vidéo qui arrive avec ça très prochainement, genre je finis la vidéo du dimanche de là et j'enquille le montage de l'autre. Concernant les vidéos, il est en retard Lambert. Salon Milwaukee est enfin terminé, je vous publie ça jeudi prochain pendant qu'on sera en train de faire de la mécanique, donc je pense vers 20h, un truc comme ça. Et on parlait de ça. Donc il me reste à faire
Non, tu veux savoir ce qui a été fait d'abord? On a fait embrayage. Et embrayage tuning pour que ça grippe, mon copain. Et là, on avait, je ne sais pas où il est, là, l'ancien joint de cache-culbut qui fuit, donc ça c'est ouvert. Sauf que Lambert, bah, il est un peu con des fois. Tu vois, on en profite, on va faire vidange, filtre air et tout le bordel. Hop, pardon madame. Non, là, parce que sinon ça va tomber. Et ça va tomber quand même. Embrayage est neuf, hein, de ce côté-là, tout est neuf. Mais on n'a rien filmé, c'est des choses qui arrivent. Ça, joint de cache-culbut, et que je sais pas où j'ai mis, c'est l'ancien ça. Oui, c'est l'ancien, celui-là, pour qu'il soit aussi raide. Un peu comme, bah tu vois quoi. Donc on change joint de cache-culbut. Je suppose qu'il y a un joint d'injecteur à changer, mais ça, on verra ça après. Oui, on verra ça après, hein. C'est pas grave si ça fuit un petit peu. Si ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile. En fait, c'est un témoin, ça sert de jauge. Là-dedans, ça c'est mon programme d'aujourd'hui. Il reste 4 d'accélérateur, parce que bon, là, walou quoi. Mais non, ça fuit pas. Et il faut que je m'occupe aujourd'hui aussi de commander ça, parce qu'en fait ça a jamais été démonté je pense, et la durite qui revient d'ici, qui remonte dans le couvre-culasse, c'est voilà, quand j'ai desserré, ça s'est pas trop desserré au bon endroit. Chut. Et regarde, en plus Lambert il fait des vidéos. Qui c'est qui arrive au portail? Ah, ça vient de se garer. Le Lambert il fait des vidéos, et en plus le joint de cache-culbut il est là, comme ça, et 4 accélérateurs qu'on va remettre tout neuf de là à de là et de là jusqu'à là-bas. C'est fou, hein. Lui, on s'y est pas encore remis parce qu'on a pas reçu la peinture, c'est commandé, mais ça va prendre plus de temps que prévu. Parce que la peinture, elle va faire de la route, beaucoup de route. Ah si, j'ai également reçu un petit papier cartonné que je peux te montrer et qui fait que je peux te parler maintenant, enfin, d'un nouveau truc que j'avais lu dans vos commentaires que vous m'avez demandé. Genre ce petit carton qui va avec ça. De base, on avait juste fait un petit tour de parking chez les copains chez New Motors pour l'essayer. Et j'ai lu vos commentaires parce que Lambert prend le temps de lire tous les commentaires et même que des fois, il y répond. Et vous êtes beaucoup à nous avoir demandé un essai de ça. Ce qui remplace avec des gros guillemets, le DAX version électrique. Bah tu vois, il y a encore la housse dessus pour dire qu'il est neuf. Et ça, bah on vous montre ça dès qu'il fait beau. Donc bah peut-être pas aujourd'hui. Ha ! On a dit pas aujourd'hui. Et normalement, maintenant, si je le déplace, ça sonne. C'est diablerie ! Bientôt. Ouais, Lambert, en ce moment, il aime bien se coller une surcharge de vidéos et après, faut prendre le temps de faire les montages. Genre là, hier, on était à Intermat, on a filmé de quoi vous faire une vidéo d'Intermat. Parce qu'il y a vraiment du beau jouet à voir. On a de la clôture à faire prochainement, donc je pense qu'on va investir dans une nouvelle tarière, comme celle-là. Ça aussi, ça arrive. Ça aussi. Et là, un pack de bière, ça rentre. On faut qu'il fasse un peu plus beau, qu'on fasse un vrai essai. Avec du personnel compétent à juger des deux roues. Sur ce, c'était cette petite vidéo du dimanche, les poulets. Ouais, ça aussi, on est en train de le remettre en route. Le prototype Lambert de Drift Trike. Nous, on s'y remet, ça sort, et ça, on remonte. Rendez-vous très rapidement. Très rapidement, ça veut dire dans pas tard. Nous, on remonte ça. Et ça en premier. Échec. Bisous!